L'arrivée d'une nouvelle M chez BMW, c'est toujours un événement, surtout qu'il s'agit ici de la nouvelle génération du duo M3-M4, probablement le modèle le plus mythique de la gamme Motorsport. La berline et sa version coupée font peau neuve et tentent de faire oublier le passé. Il faut dire que certaines erreurs de la précédente génération sont à oublier. Et c'est la M4 qui nous intéresse aujourd'hui, dans une robe jaune à peine voyante, un coupé plein de promesses qu'il a plutôt intérêt à tenir, puisqu'il s'affiche désormais à plus de 100 000 euros. Et on va faire le tour du propriétaire de cette nouvelle BMW M4. Et ici, dans cette configuration, elle a le pack carbone, il y en a absolument partout. Alors, déjà ici, sur les écopes du bouclier avant, sur les rétroviseurs, évidemment, le toit. Mais alors, le toit, il est en carbone de série sur toutes les M4. Et puis, si on passe à l'arrière, ici, on a la petite lamelle sur le couvercle de mâle. Et puis, évidemment, gros diffuseur en carbone. Mais c'est pas tout, il y en a aussi plein à l'intérieur, les garnitures, les coques de siège. Et puis si on pensait qu'une BMW c'était forcément discret, regardez un peu la couleur et surtout regardez l'intérieur. À bord de notre version, les Bavarois ont osé la couleur avec cet intérieur aux accents qui rappellent la carrosserie, une première. Notre modèle est également équipé du pack M Performance Piste avec de superbes sièges en carbone, le même carbone qui habille tout l'habitacle. On retrouve à l'extérieur des jantes de 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière et des freins carbone céramique. Une belle dotation que l'on retrouve dans ce pack à plus de 16 500 euros. Mais BMW propose toute une expérience avec une bride électronique de la vitesse relevée à 290 km/h ainsi qu'une initiation au pilotage sur circuit. Et voilà pour le tour du propriétaire. Ici, on est à Ladoux, et Ladoux, c'est le centre de développement de Michelin. Et d'ailleurs, c'est ici qu'a été développée une monte pneumatique spécifique pour les BMW M3 et M4. Donc on va en profiter, on est sur circuit, on va voir si vraiment cette nouvelle version est aussi capable qu'elle le prétend. D'ailleurs, si on regarde purement la fiche technique, on devrait être plutôt serein. Cette nouvelle M4, c'est toujours un 600 lignes évidemment, 3 litres biturbo, c'est 510 chevaux, c'est beaucoup plus qu'avant, et 650 Nm de couple, donc 60 chevaux de plus, 100 Nm de couple en plus, c'est beaucoup par rapport à la dernière génération. Alors évidemment, tous ces chiffres, ça donne un peu envie, donc les performances s'annoncent très 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 costauds, sauf qu'il faut quand même connaître un détail, cette nouvelle M4, elle pèse 150 kg de plus que l'ancienne génération. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de poids. Mais le poids ne semble pas être un problème pour cette M4 compétition qui revendique un 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes 9 et près de 300 km/h en vitesse de pointe. Et cette excellente santé, elle le doit à son moteur que l'on a déjà croisé sous le capot d'autres BMW. Ce moteur, c'est le S58 et c'est le moteur qu'on retrouve dans les X3 et X4M. Et dès le départ, ce qu'on peut noter, c'est que ici, ce moteur est beaucoup plus progressif dans sa manière de délivrer le couple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché aux anciennes M3 et M4 avec une arrivée un peu brutale du couple qui pouvait déstabiliser la conduite et la motricité. Ici, c'est très différent. Les montées en régime sont vives, mais très linéaires. Et puis, il a une belle annonce. On n'a pas trop l'impression que c'est un moteur turbo, biturbo d'ailleurs. Il y a une vraie progression par rapport à l'ancienne génération. Et puis ce couple, il est un peu mieux géré aussi, tout simplement. Tout n'est pas donné dès les premiers tours de roue, sur les premières et deuxièmes vitesses, au bas régime. Il est un peu contrôlé, donc ça aide aussi la motricité. Et puis surtout, l'été prochain, va arriver une version X-Drive de la M4. Et ça, c'est une première pour le modèle, donc ça va évidemment améliorer la motricité et puis les performances tout simplement du véhicule. Et l'arrivée de cette transmission intégrale, c'est la raison pour laquelle BMW a mis dans cette M4, non pas une boîte automatique à double embrayage comme l'ancienne génération de M4, mais simplement une boîte automatique classique à convertisseur à 8 rapports. BMW nous promet que cette transmission a été tunée et spécifiquement réglée pour cette M4. Dans les faits, elle est rapide et plutôt sur le bon tempo, mais ces quelques lenteurs au rétrogradage montrent bien qu'on n'a pas ici affaire à une vraie double embrayage. Dommage par ailleurs que BMW ne commercialise pas chez nous une version non compétition de la M4 de 480 chevaux. Moins puissante certes, mais disponible elle avec une boîte manuelle. Et puis on peut évidemment pousser le curseur un petit peu plus loin si on est un vrai aguerri de la conduite, notamment sur circuit. Et cette M4, c'est vraiment une sportive moderne qui est paramétrable dans tous les sens. Alors ça passe par des petits boutons qu'il y a sur la console centrale. Alors on a le M-Mode qui permet de passer de road à sport et puis track si on le maintient enfoncé. Ça c'est évidemment réservé au circuit parce que ça désactive toutes les aides à la conduite. Et puis surtout,
On a le bouton Setup où on peut configurer indépendamment le moteur, le châssis, la direction. Et puis, une chose un petit peu plus nouvelle, c'est le réglage des freins. Alors, c'était déjà apparu sur la BMW M8, la grande sœur. Et ici, en fait, c'est permis par la liaison by wire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison physique entre la pédale de frein et les freins en eux-mêmes. Et donc, effectivement, on peut avoir une réponse un peu plus agressive de la pédale. Ça, c'est pour les différents paramétrages de la voiture quand on veut conduire sur circuit. Et il y a une petite chose aussi très intéressante, c'est que cette voiture est capable de noter votre drift. Ça s'appelle le M-Drift Analyzer. Il y a juste à tout déconnecter. Et puis, on a le M-Traction Control qu'on peut régler sur 10 positions. Donc 0 complètement off à 10, où il est quand même un petit peu présent. Et puis ensuite, on se lance dans une session de drift. Et elle est capable de vous dire si vous avez fait un bon drift, un drift moyen. Elle vous note sur 5 étoiles en mesurant l'angle, la vitesse et la durée du drift. Bon, ça c'est un petit peu gadget. Et pour ceux qui aiment aussi les gadgets, il y a plein d'applications. Il y a notamment le Drive Recorder et ça permet via la caméra qui se trouve au niveau du rétroviseur de s'enregistrer le circuit par exemple. Alors ça sert aussi pour les accidents, mais ça c'est encore autre chose. Et puis un peu plus poussé, on a le M Lap Timer et ça permet tout simplement d'enregistrer les performances sur le circuit. Il faut simplement connecter le téléphone à la voiture et puis une fois qu'on a enregistré notre tour, tout est enregistré sur le téléphone et on a toutes les données effectivement qui ont été enregistrées pendant ce tour-là. Et puis ça vous permet de suivre un peu les performances. C'est vraiment très poussé, c'est vraiment très détaillé. On apprend plein de choses et ça vraiment, ça fera le bonheur des amateurs de circuit. Sur la piste, cette M4 compétition s'est montrée diablement efficace avec un avant précis comme un scalpel et un train arrière joueur, mais jamais piégeux. Le moteur pousse très fort, longtemps et sans jamais faiblir jusqu'à 7000 tours minute. Les sensations sont bien présentes et si on veut aller jusqu'aux limites, la maturité de cette M4 met toujours en confiance avec des réactions très progressives. Un excellent bilan quand on sait qu'on dépasse les 1 tonne 8. Alors c'est vraiment pas sûr que tous les utilisateurs de BMW M4 iront sur le circuit, en tout cas on retrouve une vraie polyvalence dans cette nouvelle génération. À utiliser tous les jours sur la route, c'est plus que vivable, c'est plutôt confortable même si c'est quand même très ferme. On sent que la caisse a été nettement rigidifiée par rapport à la précédente génération. À titre de comparaison, une RS5 par exemple est un peu plus conciliante. Mais bon, quand on achète ce genre de véhicule, on est prêt à faire ce genre de compromis. Globalement, c'est une voiture qui reste très facile à vivre. Et sur la route, on peut effectivement s'amuser sur un revêtement qui est un peu moins lisse que celle d'un circuit par exemple. Là encore, on apprécie vraiment les progrès réalisés par cette BMW M4. L'amortissement est nettement plus progressif et on se fait un peu moins peur une fois que la route est un peu plus bosselée. Et il y a quand même un petit bémol avec cette BMW M4, c'est le son du moteur. Alors il est très bien dans l'absolu, il n'y a pas grand chose à redire, il s'est flatté l'oreille dès qu'on arrive dans les hauts régimes à partir de 4000 tours minute. Il donne tout ce qu'il a et il y a une vraie sonorité assez typique d'ailleurs des 6 cylindres BMW. Et voilà, il y a quand même quelque chose d'assez synthétique globalement dans cette sonorité pour ce 6 cylindres. Et puis pour preuve, les ingénieurs maison ont quand même installé un amplificateur de la sonorité du moteur dans la voiture via les haut-parleurs. Et ça veut tout dire. Au final, cette M4 a progressé là où on l'attendait. Si la précédente génération avait surpris par son côté un peu volage avant l'arrivée des versions compétition, on a affaire ici à un coupé nettement plus mature. Cette nouvelle M4, c'est un peu la synthèse de tout ça. Elle a réussi à gommer les défauts de sa précédente génération. Elle est beaucoup plus facile à conduire, elle est beaucoup plus intuitive également, et puis elle met nettement plus en confiance parce qu'effectivement l'amortissement est nettement plus rigoureux, parce que le couple est nettement mieux géré, et pourtant, elle garde quand même des performances encore nettement supérieures et aussi un comportement qui est loin d'être aseptisé. Au final, c'est quand même un excellent bilan pour cette BMW M4. Il faut dire qu'elle atteint une vraie maturité par rapport à sa devancière. Elle est nettement meilleure sans pour autant être trop polissée. On a vraiment des vraies sensations dans cette voiture. Et puis, elle peut être réellement équipée comme une vraie sportive. Donc ça, pour ceux qui aiment de temps en temps se faire quelques sorties sur la piste, ça peut être plutôt plaisant. En revanche, il y a un détail qui fâche, c'est le prix. Ce modèle, tel qu'il est présenté ici, il est facturé 137 000 euros. Et il faudra ajouter 30 000 euros de malus. Vous avez bien entendu, c'est 170 000 euros pour une BMW M4 et c'est probablement là son plus gros défaut.